Souvent, quand je parle de digitalisation de l'expérience client, on me dit, oui, mais tu sais, mon client, il n'est pas du tout digital, hein. C'est vraiment l'ancienne école. Et vois-tu, je ne vois pas pourquoi il devrait utiliser cette technologie. Sauf que bah, moi, quand je vous parle de digitalisation de l'expérience client, je ne veux pas dire par là uniquement la digitalisation externe. Certes, on pourrait proposer une technologie, hein, que ce soit du site web, des réseaux sociaux ou un chatbot ou ce que vous voulez à notre client. Néanmoins, je parle également de la digitalisation interne qui va améliorer l'expérience client. En effet, si j'équipe mes équipes de technologies, d'un CRM intelligent, d'un chatbot, d'un assistant virtuel, cela pourra leur permettre d'être plus efficaces, de personnaliser leur discours avec le client. Donc ne pensez pas forcément technologie entre les mains de votre client, mais réellement à tout le process. Et donc oui, il y a en effet ceux qui sont derrière la caméra, et donc je ne vais pas forcément supprimer l'humain de mon expérience, loin de là, notamment si mon client l'exige, mais je vais l'améliorer en équipant l'humain. On parle alors de collaborateur augmenté, de commercial augmenté, de conseiller augmenté qui, grâce à la technologie, à une IA par exemple, va pouvoir personnaliser l'offre, proposer des offres vraiment qui répondent parfaitement aux attentes, voire anticiper également bah, les demandes que pourrait faire le client. Bref, sublimer l'expérience client, et on est toujours dans la digitalisation.